Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis encore très heureux d'être devant vous pour vous présenter ce nouveau numéro en ce lundi 4 octobre 2021, jour de la rentrée des classes, donc la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Vous allez remarquer aussi Tozongi classe, Tozongi Bajen. Nous rentrons avec une nouvelle forme. Beaucoup de gens commençaient à se demander, mais j'avais comme ça vieux, on s'en la dernière. Alors, on a laissé couper quand même la barbe. Je suis très fier. Je suis très content aussi à ce que les gens continuent à m'appeler. Peut-être qu'ils ne se sont pas encore rendus compte du programme que nous avions donné. On m'appelle pour me dire « Non, hier, tu as été absent, qu'est-ce qui se passe ?» Oui, le programme est fait de cette manière ici. Nous venons en ligne, disons, nous mettons nos vidéos chaque mardi matin, le jeudi et le dimanche. Donc, c'est 3 fois par semaine maintenant. En tout cas, ce programme va aller jusqu'à au mois de février de l'année prochaine, où nous allons lancer l'autre format, le grand format de Contact Pro Live que nous sommes en train de préparer à ces derniers temps. Ce qui fait que nous donnons aussi le temps à ce grand projet parce que ça demande à ce que nous soyons là et ça ne nous laisse pas le temps d'enregistrer nos émissions. Mais malgré ça, nous nous sommes dit, nous allons toujours être là, donc... C'est 3 fois par semaine pour vous dire, pour maintenir ce que nous avions commencé au lieu de laisser carrément comme ça. Nous sommes là et nous sommes en train de faire ce travail, c'est pour la République démocratique du Congo, comme nous nous sommes donné cette tâche là donc ainsi dit, prenez donc soyez avertis que si vous ne me voyez pas, ne pensez pas que je suis en dehors. Vous pouvez commenter sur les émissions qui sont passées et nous continuons à répondre à vos préoccupations. Il faut vous abonner nombreux. Ne quittez pas. Il faut partager les émissions quand il y a l'opportunité de le faire. Abonnez-vous parce que c'est ça qui va encore donner beaucoup plus de poids à notre émission. Et nous avons besoin de ces abonnements-là, surtout pour ce projet que nous préparons pour 2023. Donc, 2022, de l'année prochaine plutôt, quoi. Je suis déjà en avance. Alors, ainsi dit, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Encore une fois de plus, Bandeko, Toko Lobela Likambwa, rentrée scolaire, Toko Lobela Likambwa, dictature Oeza Kokota, Nakatia, ya République démocratique du Congo. On n'a pas la volonté de changer. Nous allons vous montrer qu'il n'y a pas la volonté de changer. Batou bazo ya na pouvoir bazo loba likamususu tant ba comme na pouvoir et comme makamususu. Donc ce n'est pas la démocratie qui est là. On est en train de subir une petite à petite, on avance vers une dictature qui on batunyo so peut ba comme na éviter ce qui so ba congolais tous années. C'est même le fait que nous sommes là pour vous éveiller votre conscience que attention. Mboka na biso ko bonga kana modèle otozo kendete. Nous avons besoin à ce que le pays soit vraiment gouverné. La gouvernance, il y a un problème dans notre gouvernance, il faut changer. Et c'est pour cela que nous appelons les Congolais, bon éveiller conscience, bon la mouka place vos alliés pour que, et l'autre autant, tout ce que nous avons, et souka, tout remplacer Babilo Koumsou. Pourquoi nous voulons les élections? Pour que l'on ait la Babilo Koumsou. La 4e émission. Donc, serrez vos ceintures. Nous allons parler de ces sujets-là. Donc, la conscience doit être présente dans les Congolais, Nyonso, au Bolingi, Mbokanabiswe, Bande et Bonga. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, sur ce lundi, et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, désignation du président de la CENI, Jean-Pierre Bemba s'exprime. Et puis à Nord Kivu, la situation de Beni n'a pas besoin d'une quelconque table ronde. Ça c'est JP Ngaongondi. On va sur actualité.cd.
RCD CENI, les six confessions religieuses affirment qu'elles n'ont pas été saisies pour une nouvelle réunion ce lundi. Et puis le groupe parlementaire FCC exige la suppression sans condition de la taxe RAM et promet de déposer essentiellement une motion de défiance contre Augustin Kibasa. On va sur Congo profond. Rentrée scolaire à Kisangani, enseignants et élèves ont séché les salles de cours. Lubumbashi, rentrée scolaire, les écoles conventionnées catholiques ont observé leur mouvement de grève. On va sur 7 sur 7. Investissement important dans l'immobilier, le ministre Mwabilou et Sakombi ont aux Émirats. Depuis Mbujimayi, Tony Moua balance l'année scolaire 2021-2022. On va terminer par Radio Okapi, la rentrée scolaire 2021-2022 placée sous le signe de la rigueur pour la recherche de l'excellence. Nord Kivu, pas de rentrée des classes dans le groupement Ikobo à la suite de l'insécurité. Merci, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, la rentrée scolaire prend l'actualité. Donc, rentrée scolaire est bandit partout, tous les parents sont bousculés. Nous avons vu que côté Moussoussou, il y a République, notamment à l'Est, Angouma et Zamaka, c'était parce qu'il y a l'insécurité. Bande Koubana Bakozonga, classe Nengenine Nakati Amorosité, Otoza Nakati. C'est ça le problème que nous avons. Mboka Nabiso, Eza dirigé, bon, Tozo, Batou Baza bien, Bakomi Kozala bien, Bao Baza Mabe et Talibino. Bomoko Eza Ten à République démocratique du Congo. On peut tuer les gens à l'Est, à l'Ouest, on continue à faire la fête. Or, na bamboka mususu babilon ko ezala kate. Membre moko soki eza touché, il faut que to bongisa biloko o nyonso. Bana mususu bazozonga classe ba uniforme asika ba biloko ba classe mususu côté mususu ba grève ezali. Donc la République est vraiment entre tozo yebate, ba to nyonso tout ba yepe et comme soki c'est comme si makasi ya kosala o bakana ki esili. Parce que réalité est Zamoussousou. Mais qui est contre cette république finalement? République Oyonani de Mutuazako Kangayango. Nous vivons au rythme des partis politiques, Batoyo, Bimi, oh non, marche Kozala Lobby, oh non, tout ça, Assemblée nationale, Batoazo Bunda, Jipe Kawama, qui, scandale et l'équipe. L'État est mal à monter au Royaume-Uni, en Équateur, qu'on a battu, pas au Bunda, pas gouverneur, donc et le peuple ne se retrouve pas. Tout ça est entre baloté na babilo konyon surtout wana. Mais maintenant, aujourd'hui, tout l'obéla likambo, le premier sujet au tout l'obéla. Ah ouais, dictature ni n'angope, y a sika au battu, ça commence à qui exact s'installer. Quelle est cette dictature que les gens ne voient peut-être pas? Tabou batouaza koloba ke non, ba opposant bien sûr que non, dictature est au côté. Bota la bino moko. Blocage est en assenu. Pour n'a ko désigné le président ya oya ko bongisa seni. D'abord, c'est biaisé. Pourquoi nous disons que c'est biaisé? Parce que les gens ont commencé déjà à faire la campagne électorale avant que les institutions Yasseni aient à la placer. Donc aujourd'hui, tout le monde batou au bazana pouvoir sikoyo. Balingi ba conserver pouvoir wana. Pourquoi vous voulez conserver ce pouvoir tant que biloko nyonso tout ezana désordre boy? Parce que bozako se retrouver na kati ya désordre wana. Le Congolais ne comprend pas que tant que vous avez kende koloba ke mokonzi aya ko kabola bino awa, vous êtes en train de baloba kan anglais release, ne pas reconnaître votre capacité ou bien votre autorité à kobongisa makamu. Vous ne les reconnaissez, vous reniez votre pouvoir. Batu oyo basengeli baluka moko muto ya ko akokamba seni bazo yo kanate et puis bazo recourir na nani balobi mokonzi ya kokata likambo oyo bandeko. Et c'est là où nous entrons na likambo ya bokonzi.
Le président de la République, c'est l'homme à tout faire dans la République démocratique du Congo. C'est l'homme à tout faire. Il est le garant de tout. Il est tout. Il est cité partout, même à la nomination de l'administrateur des territoires. Vous pouvez comprendre ça vraiment. Et ça ne va que au Koyokaga que non, ezana ba konzina ende mutu. Donc c'est lui qui décide. Mboka o eza kozala décider na mutu moko. Au Koyoka, président de la République angope aye azolo ba que non, ngai na solola ki na ba confession religieuse, je leur ai dit de bosbo luka solution kuna. Bayo kanite bazolu kaka mokonzia ya kokabwana. Pourquoi bazolu kaka mokonzia a kabola bango? Parce que ils ne s'entendent pas. Ba structure pour na biso toyo kana eza mise en place te. Tozana mutu moko kaka, le président de la République qui est l'homme à tout faire. Tokokene na eno kwa na pe na ba région. Vous allez voir que c'est le même mentalité qui se transmet na katia ba na ba province. Les provinces sont dirigées par des dictatures, des représentants du président de la République. Et ils font la loi là-bas. Alors, les lois ont couru Zanéenini. Excusez. Couru Zanéenini. On a créé un union sacré justement pour protéger le pouvoir du président de la République. Sokoza na katia union sacré wana. Tokotika la kana bomo kwana na katia président de la République, il devient l'homme qu'on doit protéger. Et c'est ainsi que mboka na biso est comme mboka ya batu, au lieu de la mboka ya ba institution. Bandeko, je vais vous donner un exemple d'ici. Nazana besoin de passeport, ou bien nazana besoin ya service moko ya l'État, na kukende na bureau ya l'État ao. Ou soit, na tono banano ka exemple moko ya simple. Na mutu kananga na kutani na roulage akanginga ya lobite ba far na yo eza mabe a ou bien quoi que ce soit. Mutu wana eza mbula matari, donc yende l'état. Au-delà ngai na boyoko lukate ona benga mutu tel po ba mutu moko akanginga ou bien soit. Non, celui-là c'est une autorité. Mutu wana za ko exercer ba makambu na ko azo sala likambu na ko pesa o tike lobi bon a ou fo futa 500 fo sala boye. Eza na ye moko nde mutu aza ko jije yo. Mutu wana pe soki asali musala na ye mabe. Baza ko kontrole ye. Tango asili si musala na ye alobi bon oke tokangi mutu kana yo. Abengi bo ya kotombola mutu kao. Mutu wana aza na autorite. Tango abengi alobi te bo ya na mutu kao ya kobenda ya mesyo o ya tika. L'autorite e est représenté. Nazo mona mutuana te, nazo mona autorité à l'État. Chez nous, c'est le contraire. Quand le président de l'Assemblée nationale, ou bien Toloba, gouverneur de la République, du province, a lobi likambu, batubaboy, bafundiye na Kinshasa. Bozo lukanani, au lieu que présidence, non, bozo luka président de la République, bozo luka mutu. Donc les hommes ont remplacé les institutions chez nous. C'est ça que je dis que dictature ezo kokota kaka. Nous avons un gouvernement qui n'est pas responsable. Le gouvernement mokoyoka na bango ke non toza ko exécuter likambo ya mokonzi. Le programme du président de la République, ce n'est plus le programme que les gens se sont assignés à Koloba. Programme oyo awa neto kokoma. Ba objectif à province Nabiso par exemple za kotonga 600 km ou bien 2000 km ya balabala. Comment y arriver? Ba nini yango toko uzwa ngo wapi? Eza na batute. Na za ko pesa bino exemple awa ya ba uwele kuna. Oyoki na television na oki somo. Batu baza ko kende ko kumisa ba merite ya batu oyo. Baza ko distribuye ba bilambo be ba bazo sala ba projet. C'est comme si la région n'existe pas. Bah, tu vois, ils souffrent ensemble, t'es. Pour n'a qu'on exécuter, pour n'a qu'on t'a n'engue ni ni t'auré qu'on s'a l'amboka n'a biso, et qu'en déliboso, ou bien ton bongi s'amboka ensemble. Non, les gens ne se mettent plus ensemble. Nous sommes dans les individualismes na Congo. Et c'est ça qui tue notre pays.
malheureusement. Le président de la République devient un homme à tout faire. Il est cité dans tout. Il est cité dans tout. Na parlement kuna batu nyonso tu baza ko bongisa baza ko bonga manini oh non il faut batu biso toza na kati ya union sacrée. Nous supportons le président de la République. C'est comme si le président de la République yen ne mutoka ko tia ba bechwa et puis e boti nini ba trafic influence et boti ba biloko nyonso le respect le non respect plutôt ya ba institution de la République. Biloko nyonso comme kaka Kinshasa batu nyonso oh ba union sacrée à Équateur, oh, union sacrée à bas Congo, oh, union sacrée à ya Nord Kivu, union sacrée à Babylon. Les gens sont na imité soki na lobela ngo neni. Et c'est là qui fait que même l'armée na biso okoyoka Babylon ko za ko sale manakati, le président ne peut rien faire. Azali sous la makokite ya kosala a bongisa armée. Mutwana koloba non, nous sommes en train de supporter le président de la République, le président. C'est comme si le président de la République ne muto kosala biloko nyonso tout. Mboka o e komi na maboko ya mutu moko. Nous posons la question, l'institution on a un président de la République. Yango nde kamba ka biloko nyonso tout bien dengeni. Mutu tout il suffit ka kazala kana moi coordonner kaka ya koloba ke non oh ngai nazana na moi contact na nga na présidence mbala moko akomi autorité mbala moko bokomi kobanga ye. C'est ça que nous voulons combattre en République démocratique du Congo. Tant que tokolongwana eloko wana te mboka na biso kokenda ka liboso te, tant que tokotikala kaka na koloba ke non mboka oyo eza mboka ya Tshisekedi eza mboka nani ekobongaka te mboka oyo eza mboka ya mutu nyonso. Il faut que tout le monde puisse mettre la main sur la pâte. Mais ekosalema ndenge nini? C'est ça la question. Tokolongwana yango ndenge nini? J'ai dit ici la semaine passée que non, nous avons une chance et que si nous ratons à saisir cette chance là yakobongisa mboka oyo tokotikalaka kozongelaka bamakambo akala okomona tozokende na baelektion oyo baelektion ekosalela ekobota eloko moko te. Quel est le fond du problème, Bandeko? Comment est-ce que nous pouvons trouver une solution yakolongwana babiloko otoza na kati? Quel est le fond du problème? Le fond du problème, c'est quoi? C'est l'organisation de notre peuple, c'est la structure du pays. C'est de mettre ba institution na biso, ba tuba sale la mboka, au lieu que mboka et sale la biso. Nous sommes devenus dépendants d'un pays qui n'a rien. Nous mettons le biso moko to croiser ba bras et c'est dès lors vous allez voir que tozo te kamboka yango parce que to lingi ko sala te na ndenge nini awa boyo kata awa titre moko na tangi kaka awa balobi boy mwabilu we sa kombi
séduise le boss de la mastodonte Emar Property pour investir au Congo. Toza na tendance à kokenda ko luka batuba ya ko sa ba investir na Congo. Batuba kende ko investir, batuba ya ka ko investir, batuba ya. Et pendant ce temps-là, nous tozo te kamboka. Tozo te kamboka. Okoyoka ka président colonial sono mbongo ezate tika toke ndo luka mbongo na libanda boke ko luka mbongo batu ana tangu bakoyeba koloba ah bolingine ni to sale la bino bo bino vous croiser le bras au lieu que bino bo lo na bo sala ma masangu bo luka moye biso moko to sala awate. Est-ce qu'il n'y a pas de Congolais qui peuvent s'investir? Je vais vous donner un exemple ici. Bandeko, l'Afrique du Sud a pratiquement, je crois, une affaire, nazana ba chiffre te, hein, exact, mais c'est plus de 2 millions de kilomètres. Il y a baroute ça. Baroute ezali asphaltée du nord au sud, partout. Et ça n'a pas route, moussousou, oh, ezali awa. Okokuta ba péage na ngo ezali. Depuis des années, pas ça là ba péage. Quand tu demandes, il y a des privés qui ont investi. Ba privé on est abattu à Libanda te. Un projet est venu ici avec Zuma, ya ko tia ka ba contrôle abanani ya ba bengango ba toll gate out. Le projet a échoué pourquoi? Parce que ezala ki uta ki Libanda batu. Une société australienne et banda ki ya ko tonga ba biloko. O ba ya ka Afrique du Sud ba yebi likamwana. Batu ba telemela ki yango alobite. Likambo to futa ka deja taxe na ba carburant na banani pona ko bongisa ka bango ba banani ba autoroute tout ça. Batu batelemela ki likambwana. Donc pour vous dire que nous avons des moyens ya ko pesa ba congolais opportunité d'être des millionnaires et puis d'investir au Congo. Mais eloko wana biso ba congolais toza na ngote. Nous les chantons nous passons notre temps à Koloba, non, on va investir, mais nous ne donnons pas les opportunités à Koloba. Bon, ok, voici le projet, Ezali, Awa, Boye, la biso, ba projet, Bota, la Boye, exécution, Nango, nous allons donner la primeur aux Congolais. Mais regardez ce que Sakombi et l'autre veulent faire. Baza, Bokende, Koloka, Batou, oh non, Baba, Saoudien, Bakoya, Mongo, Bakoya, Kosala, Awa, Bokendo, dépenser, Nango, Kuna, Bako, dépenser, pas Nabango. Vous avez les Chinois qui ont des mines, mais qui ne construisent pas. Il faut réorganiser le pays, à remettre pouvoir na katia batupa peuple. Ici encore, je dis à ceux qui sont en train de m'appeler pour me dire que non, makambo oza kolobawana, est-ce que oza yokanisi yokakande mtu nobite, ngana za propriétaire ya iloko ote. Sur les états de liés de territoire, comment ça peut se faire? Moutou la moutou, ça n'a idée na ya koloba, que non, yoko kiko sale maboué, kiko sale maboué. Ça, ce n'est qu'une idée que moi, je suis en train de. Je fais partie à groupe O et à Batouaza pour réfléchir que comment est-ce que nous pouvons réussir ba état de liés pour que tous on gisa ba peuple ensemble, pour que tous on gisa ba communauté ba banda collaborer. Bandeko. Vous ne pouvez pas. Na pesa ka exemple moko okende kotoka mai na ibandeli na kati ya Kitunga. A 2 km mai yango kosile la nanzela e kosila. C'est ce que vous voulez commencer à faire ya koloba keno boko pesa ka ba territoire 1 million 1 million 1 million. Peut-être que nazo divague na sujet pour comprendre te, mais ceux qui me suivent comprennent qu'est-ce que je veux dire. Il faut que to banda kotia batu nanu ensemble. Il faut batu nyoso ba communauté congolaise to reprendre. Comment est-ce que nous pouvons encore nous faire confiance pour que to sala ensemble mboka oh, le pays nous appartient tous. Mboka eza mboka na biso, mboko eza ya biso nyoso, et puis biso nyoso il faut to sala musala pour que to mona beauté a mboka na biso. Tokoy ko tonga ba balabala, mais soki to soyo kana te ndenge nini nene nani yango kokende na place oyo batu bayoka na kate. Boyoka ka projet oyo balobi ke non Uganda ko tonga ba balabala. Bon, nous pensons que ça va avoir lieu, mais soki batu baza ko bunda kuna, est-ce que balabala wana kozala servi? Il est grand temps
pour que le président de la République a prendre conscience que aller aux élections, ce n'est pas la solution pour notre pays. Ba élection est la solution na yambo kanabisoté. Toi comme on sent la kaba cycle ba électoral tant que nous n'avons pas encore fait le travail au niveau de la base, il y a côté congolais nous sautons ensemble et ça commencera comment à identifier les tribus là dans l'article 10, c'est bien mentionné. Toi ba nani ya za nani nani ya sala kawapi tout ça. C'est ça, ça doit être ça le motif primaire ya kobongisa mboka na biso. Que ça soit la base de... Tu sais que dit quand tu parlais, le père, j'ai dit, bien sûr, quand tu parlais que la base devra se prendre en charge, c'est-à-dire que... Biso batupe to outi na base, to comprendre comment est-ce que nos bases ne sont pas organisées. Conseillons de concentrer nos efforts pour organiser nos tribus, nos ethnies. To banda kozalatana, elo kwana... Otezaki kala ya koloba ke batu bazo sala projet moko batu nyoso tu batie mayele na projet moko po esila. Vous allez être toujours dans cette histoire au bandiawa esilite. Oh ba bandi ba maison préfabriquée esilite, bo bandi koto esilite, bo bandi koto esilite. Nous devons stopper avec ça. Et comment les stopper? C'est justement en convoquant les états de lieux de province, de territoire, où le peuple congolais va se mettre en face en se disant nous avons la responsabilité de nos terres, nous avons la responsabilité de construire. Et donc, ce n'est pas le Moutou ou bien le Mounande ou bien seul qui fera, ou bien le Moulouba qui construira seul. Non, c'est tout ce que nous visionnons, surtout on va ensemble, tout le Banon. Ici, dans ce territoire, tous à quatre. Misala nini photo sala, comment est-ce que nous pouvons faire pour assurer notre sécurité? Nani nda za mabe, nani nda za malamu, nani nda vandaka, ah, nani nda vandaka. Ça doit commencer à la base pour que tant que tu comme à côté à la région, tu as déjà la solution. Tant que tu comme à pays, tu as déjà la solution à Minene. Et c'est par là où nous pourrons dire que non. Awa to saliboué. Et lorsque nous lançons cette histoire, nous savons que le peuple comprendra et puis à poursuivre. Les lois d'instruction que vous avez à Kinshasa, mais c'est exécutable dans le territoire. Qu'est-ce que le territoire apporte à la République? Quelle est l'importance que la présidence accorde à la République? Dans notre prochaine émission, nous allons parler de la République dans une République à la présidence de la République. Bandeko, vous aviez vu comment président Tshisekedi a s'entouré à peu près de 1000 conseillers. Il a toute une république dans sa présidence. Donc, institution en république, ils ont ça. Alors, mais ça, il fallait ça, les mana côté, il y a collectivité, ils ont ça, les mana, la présidence de la République. Et c'est ça qui tue le pays. Nous allons nous arrêter là en vous appelant encore une fois de plus à vous abonner nombreux. Ne cessez pas de nous quitter. Bandeko, nazoye psabino pe loko moko awa. Nos émissions, nous n'avons pas besoin à ce que nous soyons suivis par des milliards ou bien des millions de personnes. Quand il s'agit de la réflexion, tant que tu oses réfléchir, tu vas quoi m'inviter. Ici, c'est la réflexion. Nous cherchons nos solutions. Tu as une mission éducative. Tu as quoi attirer attention. Il y a érudit. Et vous qui me suivez, vous êtes parmi les gens qui réfléchissent. Batu bayaka awa bayaka koluka distraction te bayaka pona ko bongo et sala. Et moi je ne m'en plains pas. Ceux qui tosa 500 ou tolanda ka émission oyo, c'est beaucoup déjà pour moi, pourvu que quelqu'un makambo tolobi ayo kayango ezo sala bongo. Batu balanda mingi place à ba distraction. Ici il n'y a pas de distraction. Ici nous réfléchissons. Et nous réjouissons. C'est pour cela que nous nous disons, Batou, oh, merci en tout cas, Batou Bozolanda. Et pour Batou Bazako s'abonner, ba réflexion au botin de la Kanga. Et moi, je suis forgé à Kanga, il peut réfléchir davantage. Nazako yeko la mingi na ba ide na bino bozako tinde langa. Ba commentaire na bino, et tinda angana kenda koluka, awa na fer. Je ne passe pas mon temps à aller regarder les choses qui ne sont pas utiles pour la reconstruction de ce pays. Surtout lorsque vous m'adressez un sujet, au talabo, nous avons un document ici à Batouoyo.
y a na kati ya ba état de siège les gens qui devront être arrêtés tous en ba document ngo. Mais nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons le mettre en musique pour que toti et la bino pour que ait offensé ba tout sous souté surtout ceux qui nous donnent des informations sur terrain. Alors on s'arrête là en vous souhaitant toute une bonne journée et puis bon début de semaine. On se retrouve encore très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.